Salut tout le monde, salut, comment ça va? Bon vendredi à vous, je suis pile poil dans les temps, je viens tout juste de clôturer ma journée de boulot, j'espère que vous allez bien. Montez un poil le micro, on va virer le truc de tout et de... On va virer le truc de Kick parce que je stream pas sur Kick pour augmenter la qualité du stream. Je dis que bah Kick... Tant qu'à faire, vu qu'il y avait personne, c'est pas ça, c'est ça. Tant qu'à faire, vu qu'il y avait personne sur Kick, bah je dis bon, on va se mettre là, tranquille. Ça c'est quoi ça? Donc on va faire, c'est qu'on va désactiver celui-là. Voilà, on va désactiver celui-là, ça devrait être ok. J'espère que ça va bien, bon vendredi à vous, c'est pas trop fort la musique là? Pas dans mes oreilles mais ok. Bah, j'espère que ça va bien, ici ça va plutôt pas mal, on est aujourd'hui vendredi, c'est le début du week-end, donc forcément ça va beaucoup mieux. Et j'ai oublié mon eau, je reviens. J'avais prévu d'aller au puits juste au début du live, donc ça c'était fait. Et je vais le récupérer. Il y a un truc que j'ai oublié de faire. Récupérer mon nouveau sous-bac. Hop. Ça c'est mon nouveau sous-bac, c'est moi qui l'ai fait. Pas beau? C'est de la résine époxy, mais c'est de la résine époxy qui est phosphorescente. Et j'étais chez des amis le week-end dernier et on a fait un petit atelier époxy. Donc je me suis offert encore un truc. Ça sera très bien ici. Donc, bah écoutez, j'espère que ça roule les copains. Aujourd'hui, on va se faire du Zelda. On va continuer le temple du feu. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Connexion en cours. Il pétait du boulot. Ne bougez pas. Hop. Ok. Ok, donc aujourd'hui on va se continuer le temple du feu, te calme toi, au niveau de Zelda. La semaine prochaine on fera ceci, c'était pas prévu, mais j'ai acheté ceci, c'était pas une grosse dépense, hein. C'était une... mais il était quasiment à 15$ moins cher que... le prix chez Lego, donc j'ai sauté sur l'occasion et on montera ça. C'est beau, hein. On montera ça la semaine prochaine. Je pense soit on fera ça sur le week-end, soit on fera ça. Attends. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas un truc le week-end prochain moi. Ce sera le week-end du 10. Non, ça devrait le faire. On devrait streamer tout le week-end prochain. J'ai un truc le samedi soir, je crois, mais pas le dimanche. Donc, week-end prochain, il y aura un stream tout le week-end. Par contre, ce dimanche-là, il n'y aura pas de stream. Je pars dès demain matin en vadrouille avec madame. Et on sera de retour lundi. Le lundi est férié ici. Donc, on va profiter d'un week-end un peu long pour profiter et pour bouger. Et c'est beau ça, ouais, j'ai craqué et je voulais prendre la Batmobile, je vais la prendre, je la prends pas tout de suite parce que le budget oblige. Mais la Batmobile viendra aussi. Et après je ferai un petit break sur les Lego parce que mine de rien c'est quand même des dépenses.
Surtout que je suis en train de me chauffer pour peut-être prendre une série X via le All Access Xbox pour pouvoir vous faire des streams Xbox également. Ça permettra de diversifier les plaisirs et puis de continuer à streamer avec ce PC qui est pas forcément super ouf, mais au moins voilà, me brancher via la carte d'acquisition et vous balancer la série X en stream, ça pourrait être sympa. Donc on pourra faire et de la PS5 et de la série X et vous proposer tout un tas de contenus différents. Bon, qu'est-ce que tu me racontes de beau, Dr. Jones? Comment ça va, toi? Ça va, tu reprends du poil de la bête un peu? J'ai rien rangé, c'est le bordel, c'est horrible, je suis désolé. J'ai rien fait de ma semaine, j'ai juste changé l'alimentation de cette petite madame là, de la petite Dreamcast. Pour pouvoir... J'ai pour rêve depuis toujours d'avoir le setup ultime, c'est-à-dire je pose mes fesses, j'allume trois boutons et je lance une console, j'en ai marre. Pas grand chose. Okay. J'ai vu que t'as fait un petit FIFA. Je disais, moi j'en ai marre de passer mes soirées à quatre pattes sous les meubles, à brancher, débrancher. Donc je suis à plus qu'un pas, plus qu'à une marche de mon objectif. Il faut que j'achète une petite centaine de balles pour acheter un Switch Peritel. Comme ça je pourrais brancher là. Et puis j'aurai plus qu'à switcher ça et switcher la Peritel et puis brancher et changer la V et ça sera parti. Et c'est vraiment... C'est con, hein, mais parce que j'ai pas le temps de jouer tant que ça, mais c'est vraiment l'objectif que j'aimerais me donner sur les jeux. Ça va, c'est pas trop sombre, j'ai pas allumé la lumière. Ah, ok, j'ai pas allumé la lumière, attends, j'ai bougé le bouton. On va mettre un peu plus de lumière, plus de contraste, c'est mieux ça, non? Pas un peu mieux? C'est peut-être un poil sombre. Non, ça va? Ok, bon, bah, allez, c'est comme ça là. Et les prochaines étapes aussi, c'est que je vais refaire mes étiquettes parce que j'avais fait des jolies étiquettes avec des logos, mais j'en suis pas satisfait, donc je referai ça encore mieux. Et en fait, j'ai fait quelques mois. Tu sais que t'es vieux, t'es content quand t'as acheté ceci, qui est une étiqueteuse. C'est trop bien, ça te fait directement des petites étiquettes noir et blanc, hein, comme une étiqueteuse, mais c'est en encre, enfin c'est sans encre, et tu le branches au téléphone, donc c'est vachement mieux que les anciennes, là où tu avais tout le clavier, tu devais taper, c'était relou. Mais comme c'est du noir et blanc sans contraste, ça peut faire des trucs un peu dégueulasses, donc je vais retravailler sous mes logos de console sous... en vecto, puis je vais faire des petits pictos pour mon petit Switch là, ça sera plus joli. J'en profiterai pour la Dreamcast et la Saturn, et on sera bien. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on a dit qu'on faisait de la Switch, donc on va lancer la Switch. Je me suis également chauffé, j'ai cherché quelques partenariats pour vous proposer des jeux également sur console. Donc j'y travaille et je ne vous ai pas oublié. Putain, j'arrive pas à trouver le trou. Voilà. Je ne vous ai pas oublié. Comment ça, calendrier, événement à venir? Qui c'est qui m'a foutu une réunion vendredi soir? Oui, bien sûr. Oui, non, t'es là. Hop. Chargé. Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. J'ai complètement perdu le fil, je sais plus ce que je disais. Je disais que ouais, je vais refaire les pictos. Ah si, je disais que je ne vous avais pas oublié concernant le petit jeu pour vous faire gagner une tortue ninja qui serait dans cette série là. Hop, on se lève. Un truc est tombé, je sais pas. Ah putain, ok, c'est le truc de mon câble, mon casque. J'ai toujours projet de vous faire gagner une tortue de cette série là. Je suis passé au magasin cette semaine, mais il n'avait plus que des Rocksteady et des Bebop. Donc c'était pas ouf.
C'était pas ouf, donc j'attends de... Je vais y repasser, voir s'ils ont reçu des tortues. Et je vous ferai gagner une tortue qui sera expédiée à Noël. Par contre, il faudra attendre le Papa Noël pour vous apporter la tortue. Donc, quand je rentrerai en France, je vous ferai l'expédition. Donc, dans la semaine, là, on va repasser à la boutique et je vous prendrai... Alors, je vous garantis pas laquelle ce sera. S'il y en a, je prendrai un Donatello. Je prendrai... forcément une tortue, parce que comme je disais, il restait des Shredder, des Splinter, des Rocksteady, des Bebop, mais plus qu'une tortue. Et les premières séries, outre le côté nostalgique, elles sont pas dingue au niveau du design. Donc moi je vous récupérerai une des tortues, pas de garantie laquelle ce sera, mais je vous récupérerai une tortue. Donc, mais je vois que certains préfèrent Donatello, je note, je me le note. Tout ça pour dire que il faut que je branche le boîtier d'acquis et on va pouvoir se lancer en stream. Toi, je peux te débrancher. J'ai besoin de toi, voilà. Ça, j'ai pas besoin de toi. Toi, c'est bon. Il va me falloir une multiprise HDMI, moi. Ok. C'est ton préféré depuis la première série. Ok. Moi, je suis... Comme je le dis à ma femme, j'aimerais être Leonardo. Mais je pense que je suis Michelangelo. J'aimerais être le leader, le chef, le samouraï. Et je pense que je suis juste le bouffon. Allez, on va passer... sur la console avec un bel effet d'image. Est-ce que, alors, désactiver, réactiver, la console est lancée. Ok, on est lancé, on va couper la musique et on est parti sur ce bel effet, sur ce bel effet de flamme. Alors on va juste merci, je me mets là comme ça, je vous vois là et je peux jouer, j'ai mon retour et on va pouvoir jouer. Et voilà, j'en avais marre de baisser la qualité pour Kick, donc on s'est lancé sur une qualité un peu plus propre, au moins voilà. Salut Jonathan, comment ça va depuis tout à l'heure? Tout a fini d'uploader, je t'ai tout envoyé et l'IA a fini d'analyser la voix. Donc moi je suis prêt, je t'attends. Vous entendez le jeu? Ouais, tout va bien. Excusez-moi, j'ai dû couper. Je suis toujours un peu tendu quand je suis sur du perso au boulot. Donc j'essaye d'être sage. Donc nous sommes sur le bord du cratère du Mont du Péril. Il est où Jean-Michel Goron là? Ah, il y a un lézard. Viens par là. Viens, bon. Vers le curseur. Eh bien écoute, comme je le dis tout le temps, ça va mieux le week-end. Ça va mieux le week-end. J'en chie un peu au taf. On va faire un live un peu plus court cette semaine, aujourd'hui notamment, parce qu'il faut que j'aille chercher. Donc demain on part avec madame. On va chercher. On va voir les baleines. Mais ouais, t'inquiète, pas de soucis. Donc on va voir les baleines, mais on a toujours nos problèmes de voiture. Donc on va aller chercher une voiture, on a loué une voiture, on va aller chercher tout à l'heure, parce que de toute façon on pouvait pas annuler, c'était payé. Pas de soucis, t'inquiète. Donc Oula. Donc tout était payé, on ne pouvait pas annuler. Donc on a pris, on a loué une voiture. Je vous ferai des photos. Où je charge mon stabilisateur. C'est comment dire. Alors j'ai pas envoyé les vidéos à Calandris, j'ai pu faire des vidéos, je les partage en off. Ils ont autorisé à filmer un petit peu.
Je n'ai pas de nom d'Indien. Est-ce que je vais me sacrifier pour juste 3 esprits? Je ne pense pas. Là, on a un goron de dos, je dirais. On va aller ouvrir ça. Mais en tout cas, c'était très cool le pot. C'était vraiment chouette. Ils ont fait des défilés, on a vu des danses. Barbe grisonnante. Je suis gorille à barbe d'argent. Ah bah y en a une là aussi de... Alors est-ce que je vais réussir? Allez jusqu'à cette statue. Semblerait que oui. Je lui grimpe sur les fesses. Mais c'était vraiment cool, il y a eu un discours des anciens et tout, avec beaucoup de sagesse, c'était vraiment enrichissant, tu sais c'est pas, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'était pas un truc pour touristes, c'était aussi pour eux, mais aussi pour de l'ouverture, pour partager leur culture. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment bien, vraiment bien. Après, il y avait des stands, ils vendaient des trucs, ils vendaient des trucs à bouffer. J'ai goûté du pain frit, c'est pas mauvais. C'était voilà, vraiment partager leur culture, c'était plutôt cool. Dans sa gestion, toi. Oui, bah oui, mais de toute façon. Alors attends, qu'est-ce que c'est ça? C'est une statue, ok. Je pense que, en général, tant que tu te comportes bien, et c'est con, mais ici les Premières Nations, quand on parle avec les locaux, ils ont une mauvaise image. C'est des alcooliques. Faute à qui en fait? Si c'est des alcooliques, c'est vous qui. Enfin, c'est pas vous, mais c'est les colons qui leur ont fourni l'alcool pour pouvoir piquer leur richesse, piquer leur or. On a vraiment pas été embêtés. Les gens étaient super sympas, c'était vraiment cool. C'est ça, c'est des alcoolos, ils ont des casinos. Un petit peu réducteur, mais en même temps, ils payent pas de taxes. Plutôt pratique d'ailleurs, c'est un peu comme aller à Andorre. C'est bon, je peux récupérer, ouais, merci. C'est comme aller en dehors, donc c'est plutôt pratique. Mais au-delà de ça, non, c'était plutôt cool. Après, ça a duré, on y est resté 2-3 heures. L'année prochaine, on en fera un plus gros. Il y a plusieurs territoires autour de Montréal et on aura plus gros. Qui aurait cru que ça ressemblerait à ça, la montagne de la mort? C'est une montagne quoi. Il y a des rochers rouges un peu partout. Oui, c'est Andorre plus proche. Et c'est pas Endor. Dame Zelda serait ici, au milieu de toute cette savouroche. Oh. Le pertu, eh oui. Bien, on est bien. Eh bien, on est bien, bien, bien. Encore cette voix, je n'ai pas rêvé, Link. Tu l'as entendu, toi aussi? Ah, et grosse annonce, je commence éventuellement les répétitions pour une pièce de théâtre mardi soir. J'ai jamais fait de théâtre, je me chie dessus. Me demande de venir à elle. Oh. Je crois que ça venait dans cette direction. Tu crois que c'est lié à Dame Zelda? Ouais. Oui, je suis Dame Zelda, viens. Moi j'ai fumé quelques cigarettes.
Je te déchire, je te t'écorche. Allons-y. Hey. Eh oui, parce qu'il pourrait mal se passer. Bon, j'imagine qu'il peut péter. Il peut péter la savouroche. Voilà. Ok. Un repos de beurre. Mais la savouroche maintenant ça sert à quoi du coup est-ce que je peux juste la porter, je peux pas la prendre? Alors qu'est-ce qu'on a? Là on a un campement. Alors, moi je ne l'ai pas la ref. Henry Potter, je ne l'ai pas. Je m'excuse. Je fais de la merde. Ok. Allez. Allez, on va commencer. Alors. Après, ça te dit, je peux faire la montagne aussi. Benzaï la ref ? Ok. Mais j'ai dit de prendre l'épée en fait. Heureusement que j'allais me tuer. Attends, on va prendre un truc à bouffer quand même. On va faire du caca. Aïe 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 aïe. Ok. C'est pas beau tout ça. J'ai été trop gourmand, je dirais. Ça l'a envoyé balader. Le montage des vidéos. Pas de soucis, ça marche, merci beaucoup. Après, comme je te disais, c'est pas. De toute façon, ça... je m'y prends relativement à l'avance donc. Hop. Ça juste 350 balles. Tu m'excuseras mais j'ai une bagnole à réparer, j'en ai juste pour 1500 balles. Par vidéo. T'es pas donné en plus. Génial. Génial.
Non, mais je... ça c'est un prix d'amis, j'imagine même pas c'est quoi le prix de tes mecs qui t'aiment pas. En tant qu'ami, je t'arnaque pas. Ah, on lâche un coffre. Un bouclier, mais je suis déjà full. Tant pis. Allez, on fait le plein. Ouais, il faudrait qu'on aille à une autre racine pour prendre le plein de cœur. On va aller comme ça. Là, ça va être compliqué avec juste un cœur. Que je vais mourir comme une merde. Ça. Ça, vous le prévoyez, hein. Vous allez pouvoir mourir en HD pour une fois. Non, ça va, je vais. Ça va, ça va. Alors, est-ce que je vais arriver à. On va prendre un peu de hauteur. Et on sera une téléportation. Ok, je ne peux pas. Je vais lui passer dans l'entrejambe. Merde. Allez, let's go! Sinon ça elle est loin, c'est celle-là la plus proche je dirais. Allez. C'est bien d'y voir bien, d'y voir clair. Allez, la fucking racine là. Allez. Allez, la racine. Allez, allez, allez. Ok. Donc moi, je peux voir tous les alentours. Allez, on va faire à manger. Ça va mieux. Alors on va se téléporter, on va retourner là. Allez, on y retourne. Ça aussi on se fait simple. Alors j'ai juste perdu une demi-heure. Ok. C'est par là. Suivre le chemin. Oh.
Tiens. Donne-moi du sonium. On va faire un peu le plein de sonium, j'ai l'impression, là. Ok. Ok, là, on peut mettre un peu de truc. Alors. Les orbes. Et par là. C'est pas ça que je voulais faire. C'est où les trucs là? Les menus sans fin. Voilà. Voilà. Bon. Ok, alors je pense, j'ai vu qu'il y a, je pense qu'il y a un truc par là, on va y aller. Tiens, tiens là Michel. C'est parti. Ok, c'est de quoi faire un véhicule. On s'en fout, on va dans la bonne direction. Ouais. Si je vais là-bas. Faudrait pas que je suive les statues. Les statues Goron. Oui, j'ai l'impression, hein. Ah, il faut amailler. Ça, ça va le faire. Ok. Ah bah c'était rapide. Hop. On va passer sur l'épée de légende. Ok, allez, meurt. Arc golem surpuissant 30. On va dégager contre celui-là. Là, on a que du matos, on s'en fout. Allez, on avance. C'est parti. Allez, on pète tout. C'est sombre, hein. Alors, oh putain, il y a de la corruption. Quoi ?
Ah non 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 non, bah ça viendra peut-être plus tard, mais c'est plus chiant quoi, donc pour l'instant on va s'emmerder quoi. Bim, pression dans la bouche. C'est surtout pour faire des shorts pour la sur. Je voudrais faire des shorts sur ma chaîne YouTube. Donc Ah cool. Cool 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 ça. Tu me tiens au courant. Bon, ce week-end je verrai pas ça parce que je suis pas là, mais on s'en parle à mon retour lundi. Exactement comme Action Man. Alors, faut que j'aille en quelle direction? Alors. T'en as encore beaucoup à faire? On va foutre une petite. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah. Et de la lumière, c'est pas mal aussi. C'est parti. Alors, je la verrai de toute manière. Je la sors pas avant que tu l'aies vue. Oh non, 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 c'est pas ça. Je pense que c'est par là. C'est parti. Tiens, prends à voler. C'est qui met des coups de tête ce con? Tu m'as épuisé mon épée de légende? Sérieusement? Ah, c'est un bouclier ça. C'est parti. Casse des cailloux, je m'énerve. Ouais, c'est un passage. Oh, c'est le paradis du sonium ici. Tu me diras, on est sous terre en même temps. Alors, je me dirige dans la bonne direction. Je vais dans la bonne direction. Aïe.
Allez, il apprend à nager dans la lave. Voilà. On va se laisser emmerder, non? Mais qu'est-ce que t'as prévu de beau pour ton week-end, Jonah? T'es enfin en week-end. T'es un coffre, ça, Jean-Michel, t'énerve pas trop. Nissonium supérieur. Ok, à part bosser sur la vidéo, bien sûr. Bah, je sais pas pour te lancer la main, c'est toi qui viens de le dire. Hein. Ah t'es pas passé au travers. Tu prends comme ça. Ok. Alors il y a un petit pont là. Ok, on avance. C'est bien d'avoir des amis asthmatiques là. C'est quoi ce bruit qui me fait derrière moi là? Temple du feu! On y est. En général, les temps sont pas trop longs. Hey! Est-ce que la voix venait de ce bâtiment? Ça a pas l'air. C'est par ici. Alors, Ravandrodin. Qu'est-ce que c'est que cette immense structure? Et qu'est-ce qu'elle fait sous la montagne de la mort? C'est que t'es jamais allé, elle a toujours été là en fait. Oh! Ce serait pas Zelda? Regarde, c'est Dame Zelda? Ouais! Attendez, j'ai un truc à vous dire! Elle pue là. Attendez, partez pas, Dame Zelda. Voilà, dans le temple du feu. Sympa la musique. Pas flippante du tout. Hé hey, il y a quelque chose droit devant. Oui, il y a surtout un coffre à droite. Voilà. Hé hey, mamzelle! Je crois qu'il faut des flèches. Ok, il me file des trucs en métal au cas où, pour voir que ça crame. Allez, golem, golem. Link, par ici. C'est Dame Zelda là-bas. Ok. Ok. C'est terrible. Elle s'est fait enfermer. Faut vite la sauver. Mais comment on va faire pour rentrer là-dedans? Eh ben, on va activer ce truc-là. Faut une fois que c'est pas un temple dans l'air. Et téléportation. C'est bloqué. T'as vu la porte? Elle a bougé un peu.
T'as vu la porte? Elle a bougé un peu. Quand le son, la voix va nous parler. Oh, mon cher descendant. La porte que tu cherches à emprunter est protégée par 5 cadenas. 5. Utilise ton pouvoir pour tous les déverrouiller. Et elle s'ouvrira. Ok. Suis mes indications. Hein? Y a pas de doute. Je l'ai entendu comme je t'entends, mais... Qui ça peut être, à ton avis? Et qu'est-ce qu'elle veut dire par mon cher descendant? Est-ce qu'elle était dans des escaliers? Bon, au moins, elle nous a dit comment ouvrir la porte. C'est qu'elle nous veut sûrement du bien. Du coup, si on déverrouille ces 5 cadenas, on pourra entrer dans cette salle, c'est bien ça? Merci Jean-Michel. Jean-Michel Sherlock Holmes. Ok, c'est verrouillé. On va essayer d'en faire un autre. Alors. Ok, hop. Ok. On est passé. D'accord. Par là et une bestiole par là. Ok, merci pour le coffre. À quoi servent les orbes de ces bestioles? J'ai pas testé encore. Échanger. Alors. C'est parti. Ouais. Comment ça se passe?
Attends, si je mets un peu de... si je mets un peu de truc là. Alors si... Ok, hey. Non, c'est pas toi, je m'en fous de toi. Oh, tu viens toi ? Voilà. Sérieusement ? Voilà. Salut ma puce. Ouais. Ah, le premier gong. Donc on va être sauvé par le gong. Bim. Premier cadenas, plus que 4. Link, ce truc a déverrouillé un des cadenas. Il en reste 4. On a encore du pain sur la planche. Merci, je sais encore compter. Oh. Hey, salut papy, merci pour le raid. Salut les raideurs. Comment ça va les copains? Salut papy. Quoi de beau les copains? Allez-vous? On est sur du Zelda, on est sur le temple du feu. On essaye d'avancer dans ce labyrinthe. Ben non mais il est là mon chariot. On va reprendre le même chariot. Faut pas gaspiller. Eh merci. Merci merci pour le cheers. Oula attends attends qu'est-ce que tu veux toi? Bien. C'est emmerdé non par une bestiole. Je sais pas du tout où je vais. Est-ce que je tourne en rond? Je ne sais guère. J'ai l'impression. Bon, qu'est-ce que vous me racontez de vous, les copains? Hop. Donc, je crois que lui, il faut le faire demi-tour. Si je fais ça. Et... ah ouais c'est bon, on tourne. Allez viens me voir toi. Putain il faut que... c'est bon j'ai une épée où je peux les défoncer. Et cailloux. C'est s'emmerder par des cailloux non? C'est bon y'a plus personne? Il n'y a plus personne. Alors là... en effet, c'est un labyrinthe. Ok... Oh.
Ouais, est-ce que ça nous laisse ça soulève le truc, donc on va jeter un coup d'œil par là. On se croirait pas dans le Donkey Kong Country, hein, avec tous ces chariots. Alors attends, hop, on va reprendre une vraie arme, ça pourrait être bien. Bon, une vraie arme, j'ai dit. Merci. Tout ça pour un coffre. C'est une petite heure à jouer aujourd'hui. Pour rappel, pas de live dimanche, on se retrouvera vendredi prochain. Tout ça pour 10 flèches, génial. Génial. Je suis ravi. 10 flèches, une épée rouillée. Ouh. Est-ce que je vais faire tout ça? Viens par là, toi. Je sais pas ce que je vais faire de tout ce loot. On y retourne. Il serait intéressant de prendre... Et non, 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 non. Ouais. Ok, ça va qu'ils sont pas avares en chariot. Là, c'est une grille, on s'en fout. Donc on avance. Alors là, on va avoir notre chariot. On va avoir un caillou à casser. Tu viens, Jean-Michel ? Allez. Voilà. Un peu le temps. Belle invention ça quand même. Hop là. On est passé. Oh putain. C'est temps de manger un truc. Petite brochette là, petit combat. Il a eu peur. Il a préféré se suicider plutôt que mourir par ma main. Allez, deuxième. Oh, Jean-Michel. Surtout, prends ton temps. Et de deux. Il en reste encore trois. Dépêchons-nous, Link! Plus que 3. Je suis à côté du troisième là? Le troisième serait juste à l'étage? Ok. Toi t'as tout compris. Aha. Hey.
trop bas. Je vise bien. Je vise tellement bien que j'en pète mon arc. Allez, on grimpe. Ok, il y a lui à défoncer. Ok, j'ai compris. Allez, bon, qui nage. Hop. Alors, on va mettre un coup de ça. Ok, j'ai tout pété. Eh mais ils sont sympas en flèche, hein. Mais par contre, toi t'es gentil. Là, tu t'éteins. Pas besoin. Donc là, c'est pété. J'imagine qu'il faut que j'aille par là. Alors attends, j'imagine que si je vais par là, il y a déjà quelque chose, non? Je suis au bon étage déjà. Y a rien. Bon, on va tester, hein. En fait, il faut que tu viennes par là. Voilà. Non, viens par là, j'ai dit. Voilà. Alors.
On va pas me gonfler longtemps lui. C'est quoi ce qu'il va faire plutôt? C'est... Hop là. Ah il va suivre l'autre con. Et l'autre il reste en bas. Forcément. Hop, coupé. Ok. Pas me gonfler longtemps, lui. Ok. S'occuper du pont. Ok. On fait les constructeurs de l'extrême. C'est long ça. C'est pas assez long. Oui, je fais ça, oui. Oui, ça ressemble à... voilà. Voilà. Tu me suis ? Ça va ? Sérieusement ? C'est parti ! Tu vas monter là. Voilà. Ah viens. C'est parti. Mais viens. Pas dommage. Elle est plus que deux. Link, il en reste encore deux. C'est ce que je viens de dire. Et où va Michel ? J'ai perdu mon pont. La musique évolutive.
J'ai bien perdu mon pont, ouais. Il en va. Bon, on va passer par là. On va voir ce que ça dit par là. Ok, je suis en rond. Ok, alors. Là, par là. En même temps, pourquoi je m'emmerde si je peux y aller comme ça? Ça a marché comme ça. Voilà. Ouais, alors. De toute façon, ok, je suis juste à côté de celui-là. Le gong il est là-dedans ou comment ça se passe? Et... Alors toi... J'aurais dû garder mon pont. J'ai été stupide. Et le plein de cailloux. Pas être pressé, hein. C'est une gadget, cette musique. Alors. On va essayer de se faire un truc un peu carré. Est-ce que ça va pas suffire ça hein? On est d'accord qu'il n'y a pas assez là.
Bon. Alors. Bon, c'est 21 éléments qu'on peut coller ensemble. Sur Valider quand même, parce que j'ai passé 45 minutes à faire un satané pont. Mettre pas comme ça pour gagner de la hauteur aussi quand même, non? Si je fais comme ça et que j'en mets un deuxième, peut-être s'en servir comme viens toi. C'est parti. J'ai même mis un trop. Parle à toi. Alors. Michel. Grimpe avec moi. Ah merci. Mais non. Est-ce que tu veux? Allez. Ok, c'est pas bon. Tac. Merci beaucoup en tout cas. Ah, il faudrait que je... Alors, si je fais ça... Tu vas ?
Ok. Allez, à l'ancienne. Technique ancestrale. Ok. Ok, on a récupéré. Ouais, ça marche, bah, je te dis ça juste après. Une fois que j'aurai réussi à traverser. Eh ben faut pas être pressé. Hein. C'est pas par là. Ah, ma tête. Il y a un coffre là. 10 flèches. Pareil. Ah non, quand même, ça va. Ça va, ça va. J'ai été mes 10 ans. Ah bah ok. Mais non. Mais non. Et plus qu'une. Et plus qu'une. Il va pouvoir se faire le boss. Et on devrait pouvoir se faire... Il en reste plus qu'un. On doit pouvoir se faire le temple avant de finir ce soir. Et Calandris, ça y est, t'as fini de jouer. Comment ça s'est passé? Ah, il faut que j'aille où? Faut que j'aille tout à gauche. Donc on va sortir de là. Est-ce que ça s'est ouvert du coup? Non, ça s'est pas ouvert. Et Eruku... Alors... Non... Bah, ils auraient pu ouvrir la grille maintenant que je t'ai passé. Je veux taper l'escalade. Oh, faut chier les gars. Ah non, ça va, il y a un interrupteur là. J'ai rien dit. Merci. Alors, impression, j'ai atterri à la capitale vide. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok, donc on est allé là. Maintenant, objectif, c'est le dernier cadenas. Je remonte. Alors, tac. Pourquoi tu veux me voir avec ton bot? Tu te mets sur un truc. Quelle merde. Quelle merde, quelle merde. Bon, on va remettre un petit coup. Allez. Voilà.
Ok. Hop. D'accord. Oula. On va peut-être manger un petit truc, hein. Alors. Où j'arrive à monter quand même à l'étage. Là, ça fait juste le tour. Alors, ta. À l'étage, ok. Ouais, faut que j'arrive quand même à monter bien haut. Et merci. Merci pour le resub. Merci beaucoup. Je sais plus où ça apparaissait là. Tout gentil. Attends, je suis perdu là. Je me tâte à monter la pince en fait. Alors. Si je suis là. Là, ça va jusque là. Là, c'est de là d'où je viens. Donc, il faudrait à la limite que. Ah, bah écoute, bonne nuit, Jonah. Merci de passer. Alors on essaie par là. C'est parti. Mais non. Ok. Alors attends. Je te tiens au courant, promis. Si je fais ça et que je vais là. Mais c'est bon. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Merci pour le resub. Merci pour le sub gift. C'est absolument pas une obligation. Je crois qu'il est le premier à faire un sub-gift d'ailleurs. J'ai perdu mon ventilo. Vraiment mon ventilo toi. Allez on avance. Alors est-ce que ça va être bon si je vais dans cette direction là? Là il y a un coffre. Tant pis, le coffre on s'en fout. On avance dans la bonne direction.
Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal, j'ai l'impression. J'ai plus de batterie ou pas? Ah non, c'est bon. Ok, là je tourne. Et je tourne en rond. C'est pas beau ça? Attends. Ah bah oui, carrément, tu sais le bon coin, c'est bon ça. Encore. Bon. Par là. Mais par contre, je suis complètement demi-tour, ça va pas le faire. C'est vrai que ouais, tu choisis pas à qui tu offres, du coup tu peux offrir des subs à des gens que t'aimes pas. Loupé. C'est parti. Ça va, c'est plutôt réactif. S'il fout sur le côté ce con. Alors, est-ce que je vais y arriver? Eh non, mais en fait c'est vraiment tourné en rond là. Décidément. C'est pas ça que je veux faire. Alors, est-ce que ça a marché? Non. Allez, flèche. C'est parti. Ok. On va continuer à pied, parce que ça commence à... Maille gonfle là. Alors, on va pouvoir monter un peu à l'étage. Est-ce que je peux monter? Il y a un chariot. Je pense qu'on va se faire le boss sur le prochain live hein, parce que... Rembobine au besoin, c'est vrai que je pourrais rembobiner. Je pourrais rembobiner, mais hop. On va essayer de gagner en hauteur. Parce que là, on est où? Parce que c'est au quatrième étage, il faut vraiment que je monte tout en haut. Que je peux essayer de monter par là? Non. Il va me laisser monter par là? Ça va pas. Thank you.
Ok. Ah, mais il y a un coffre là. Un diamant brut. Ah, bon, attends, j'ai deux pop-up qui veulent pas s'effacer. Là, j'ai une barrière. Après tout, pourquoi pas. Et attends. Je suis vraiment pas loin. Hein. Je suis vraiment pas loin. Je vais réussir. Je suis en train de me paumer là. Ah ah. Moi je suis dans un truc qui tourne en rond là. Je suis clairement dans un truc qui tourne en rond. Ah ah. Non, c'est pas ça. Ok. Deuxième étage. C'est par là. Hein. Oh putain. C'est chiant quand ça fait ça. Elles sont où les ailes? Hop. Est-ce que j'ai arrivé comme ça? Un peu plus haut. Un peu plus bas. Un peu plus bas. Putain. Comment ça ? Marche pas ? Ah ok, je pense que j'ai compris. Faut que je me prenne celui-là. Mettre une fusée au cul. Ça devrait passer. Ouh.
pas aimé celui-là. Allez. C'était le coup de foudre. Il a rien demandé lui. Et on y est. Ah bah je récupère toutes mes ailes en plus. Ok, alors. Je suis passé complètement à côté du gong. Ça se pourrait. Alors. Ok. Est-ce que ça sera suffisant? Mais non. Allez, vers l'infini et l'au-delà. Et rien. C'est parti. Et voilà. Non. Ouais. Ouais. Non. Ah. Je suis un génie. On peut rentrer, il est où? Ah, Jean-Michel. Ah, yeah. On l'a fait. On rentre, on n'a pas le temps d'aller, d'aller buter le boss. Donc on va s'arrêter là. Link, on a ouvert tous les cadenas. La porte devrait s'ouvrir maintenant. Ouais, allez, on va aller juste devant et on va sauvegarder là. C'est où? C'est droit devant. Elle est là? Il y a pas un truc là? Il n'y a plus de musique. Ben, il y a un coffre là. Ça se prend. Ok. Donc on va
aller juste ouvrir la porte et ça va garder là. Elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle te tombe sur la gueule. Hein. La porte est ouverte. Il faut qu'on brise la roche rouge et qu'on aille sauver Dame Zelda. Eh bien, ça sera pour la semaine prochaine. Donc on va faire un petit coup de sauvegarde. Bon les copains, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était plutôt cool, on a quand même bien avancé, on a pris un peu de retard. Il était un peu plus relou, oui, au niveau, quand tu parlais de labyrinthe, je comprends tout à fait ce que tu disais. Comme je disais, dans la semaine, je passe vous trouver ça pour vous faire gagner à Noël. Donc ce sera un des prochains trucs. Et la semaine prochaine aussi, on montrera ce petit truc qui est là. Donc... En tout cas, merci d'être passé. La semaine prochaine, comme je disais, on montrera. Là. Tu veux Donatello ? Ok. Ouais, je crois que Donatello a la cote. Sérieux ? Je pensais pas que Donatello avait une si grande cote, mais je vais vous retrouver Donatello et puis je vous prendrai ça. On va lancer un petit raid. Si vous préférez Natsu, Arteon, la puissance du brocoli. Natsu sur Sea of Star, puissance du brocoli sur Shin Megami Tensen. Ton préféré à l'époque, j'avais un coussin Donatello. Chez qui on raid ? Je vous laisse choisir. Dites-moi. Où est passé mon cœur ? Sinon, je le dis moi. Alors, Téon, il y a quand même du monde. Thunder, ils sont quand même 30. Natsu sont 15. Puissance du brocoli, ils sont 3. Et bon, ça pourrait. Comme je veux. Alors, comme Thunder a pleuré la dernière fois, on va aller chez. Natsu. Allez, soyons fous. On va aller chez Natsu. C'est juste moi coller le truc. Hop. Et on sera dans une petite minute. De toute façon, je pense que vous allez faire dodo dans pas longtemps. En tout cas, moi, je vous souhaite des gros bisous. Je vous laisse passer une bonne soirée. Bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 22h, pour choisir si on se fait le boss ou si on fait directement du Lego. Au choix, on verra, et puis sur ce, ça sera soit l'un soit l'autre avec le dimanche, et puis on enchaînera. Peut-être commencer par Lego le vendredi, puis finir le Zelda, enfin continuer le Zelda le dimanche, au choix que ça. En tout cas, dans une petite cinquantaine de secondes, on va lancer le raid. Moi, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, on va finir en beauté avec notre copain Action Man qui nous souhaitait un petit conseil. Moi, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, bon week-end. Moi, quand j'ai envie de me reposer ou de décompresser, je fais de la varap, ou alors de la marche, de la bicyclette, ou bien je fais du karaté, du tai chi. J'améliore mes coups francs, je fais du skateboard, du snowboard, du windsurf, du baseball ou bien du football. Je fais du piano, de la peinture, je lis, j'écris, je compose. Je regarde des vidéos, des dessins animés ou des films d'action, ou tout simplement les infos. La drogue peut te tuer, et quand il existe autant d'activités dans la vie, pourquoi est-ce que je me droguerais ? Pourquoi est-ce que tu te droguerais ? Thank you.